Bonjour mes petits chats. Comment allez-vous? Ça va? Bah, écoutez, moi ça va avec la tempête. Donc là, je vais vous faire une petite motivation ménage de la salle de bain. Parce que cet après-midi, on a le live. Donc attends, je bien mes cheveux. J'enlève mon gilet. Donc là, je vais rien enlever à ce qu'elle est propre. Je vais donner un coup sur ma paroi, un peu là. Mais c'est propre, c'est pour faire une vidéo en fait. Alors attendez. Voilà, je voulais vous parler d'un produit. Ah ben, je l'ai sorti. C'est Desti. Alors je sais pas si ça se dit Desti ou Dasti. Donc voilà, lui c'est le. Moi je le trouve à Zeman et il y en a. Il y a toute la gamme à. Comment ça s'appelle? BN. Et il faut même des petits flacons, des sambons. J'en avais acheté la dernière semaine. Il faudrait que je retourne et acheter ça. Ça sentait bon. Je mettais quelques gouttes dans un brûleur. Et puis j'allumais avec une bougie, quoi. Et ça sentait super bon. Donc là, c'est le nettoyant salle de bain. Ouais, intense. Ouais, et il sent super bon. Par contre, ils font le jaune fluo comme ça. C'est une dinguerie. Pour ceux ou celles qui ont des salons de jardin blancs, vous savez, au printemps et tout, prenez celui-là, vous allez voir. Donc voilà, donc bon, pour être honnête, je vais vous dire, pour le nettoyage en profondeur, celui-là, salle de bain, bof. Mais par contre, je le nettoie avec du cif ou des autres produits, et ça, je remets par-dessus parce qu'il sent super bon. Donc voilà, donc vous les trouvez à Zeman, mais toute la collection d'Asti, elle est à BM. Mais en choisir entre celui-là et Fabulosa, c'est Fabulosa au niveau. Ouais, au niveau. Je préfère quand même cette marque-là. Donc voilà, je voulais vous parler de ce produit. Allez, on y va? Ben là, je vais m'en servir, tu vois, pour faire là et tout. Je vous dis, c'est pas sale. Donc, c'est vraiment un petit truc quotidien, quoi. Allez, let's go, on y va, mes petits chats. Alors, dans ce petit contenant, j'ai mis le liquide de rinçage de chez Truc, de chez Action. Oups. Voilà, allez, on y va. Je mets bien ma microfibre sèche sur mon petit balai suiveur. Donc j'avais vaporisé du d'asti, je sais pas comment on appelle ça, sur le carrelage et je frotte en fait avec une microfibre sèche. Comme je vous ai dit, c'est un petit nettoyage salle de bain. Donc voilà quoi. Donc je passe partout, j'ai rien enlevé hein, parce que comme je vous ai déjà dit. La salle de bain, je la fais une fois par mois à fond que je vous fais voir. Et après, une fois par semaine ou deux, avoir deux fois dans la semaine, je fais comme ça, quoi. Vraiment un petit nettoyage, quoi. Pas que ça soit trop trop sale quand je vais faire ma grosse routine ménage, mes petits chats. Et j'avais chaud, et j'avais chaud, et j'avais chaud. Donc de là, j'enlève mon truc. Faut que j'en rachète un porte-serviette, là. J'en rachète un, ça fait des années que je l'ai, celui-là, on l'avait acheté. Ben, en plus, on l'avait acheté quand on avait été en vacances en Vendée. À Aldi, je pense. Il y avait un Aldi là-bas, au Lidl, je ne sais plus. Il est en promo et j'avais dit à monsieur, j'étais dans mon autre maison. J'ai dit, regarde, il n'est pas cher, on n'irait pas l'acheter. Tout m'a dit, bah ouais, même en vacances, vous voyez, on fait des petites emplettes. Donc, et ça fait des lustres que je l'ai comme l'étagère où il y a les serviettes et tout. Waouh! Hein. Wow. Mais là, mois de janvier, fin décembre, mois début janvier, vous allez voir une différence.
Donc regardez bien la salle de ballon maintenant parce que dans pas longtemps, elle sera plus comme ça. Donc voilà, donc j'ai remis en place. Donc le produit, oh, punaise, je vais pas savoir le dire. Le liquide de rinçage, j'avais fait recto verso. Hein. D'habitude, je rince et tout, mais là, non. Parce que je sais que la semaine prochaine, on est quand là? On est, ouais, je vais la refaire à fond, ma salle de bain. Et puis là, je ferai bien des crassages, quoi. Donc voilà, donc de là, ben, je trie dans ma trousse. Donc dans ma trousse, là, j'ai plein de masques visage, vous savez. Mais c'est rare que j'en fais. Très, 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 très rare. Les masques d'action, il faudrait que je les bippe sur l'application Yuka parce que j'ai l'application Yuka. Et il faudrait que je les app que je les bippe, voir si c'est bon ou pas, quoi. Parce que zut, quoi, je tiens pas à mettre n'importe quoi sur ma peau, quoi. Donc voilà, il faut que je prends le temps. J'ai l'application. Donc si vous n'avez pas l'application, mettez-la. C'est Yuka, Yuka. Et même au magasin, moi, je bippe tous les trucs. Ça, tous les produits d'hygiène, je les bippe. Alors soit il vous dit médiocre, soit c'est bof, soit c'est excellent. Faites et vous verrez. Donc voilà. De là, je passe un coup sur mon meuble de salle de bain. Hein, mais vite fait, regardez-moi, il est bien rangé et tout. Mais je vais le faire. Ça, je le fais 2 fois dans l'année parce que c'est pas. J'enlève tout, je fais les poussières. Mais après, c'est bien rangé, quoi. Donc, je crois que ouais, la semaine prochaine, je vais vous faire voir. Je vais faire une grosse routine salle de bain. Ouais, je pense. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Je dois faire aussi les chambres. Alan y reprend lundi. L'école, faut que je fasse sa chambre parce que vous verrez la chambre de Alan. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça se voit que c'est un ado. Hein. Oh. Donc, je. Regardez, vous voyez, l'eau elle est sale. Vous voyez, elle est trouble. Je sais pas si vous voyez bien, vous. Donc j'avais rincé ma lavette là qui m'a servi de ma salle de bain et tout, enfin, de ma douche. Et là j'avais fait mon évier et tout ça, quoi. Et vous voyez que l'eau elle est sale. Donc on croit toujours que c'est propre, vous voyez, mais non en fait. Mais regardez comment que ça brille avec le liquide de rinçage, vous avez vu? Bon allez, on finit. De là, ben, je m'occupe de mon toilette. Donc j'ai mis le produit de chez Action. Je sais plus le nom. Il est bien celui-là. Je vais en ce moment, je vais prendre que celui-là. Je trouve qu'il sent bon. Il sent un peu la menthe eucalyptus, vous savez. Donc j'en mets et je laisse agir et ça diffuse dans ma pièce en fait. Ça sent bon. Et de là, j'hésitais. Je dis, je fais quoi? Je fais mon toilette avec quoi? Avec le produit rose de chez Action, avec le Desti, avec le Cif, avec la Javel. Et du coup, j'ai pris le Cif avec Javel. Parce qu'au matin, j'aime bien le nettoyer avec, tu vois, une note de Javel. Et après, le soir, je redonne un coup de chiffonnette. Mais soit avec le produit rose ou quoi, tu sais. Donc voilà. Donc là, après, je brosse, je brosse, je brosse. J'ai laissé tremper un petit peu. J'ai repassé en dessous du toilette. C'était pas sale parce que, comme je vous dis, ça, je le fais assez régulièrement. Et après, j'ai nettoyé la brosse de toilette. Et j'ai tiré la chasse d'eau. Et j'ai laissé la brosse. Égoutté. Voilà. De là, je me suis occupée de ma petite poubelle. Donc, j'ai mis mon sac poubelle. Dedans, il n'y avait que les rouleaux de papier toilette vide. Du coup, j'ai été les jeter. Et ma poubelle, sinon, elle est propre, quoi. Donc, j'ai remis un plastique. Voilà. Je la laisse sur la poubelle. Comment on appelle ça? Sur le toilette. Et puis après, je prends mon produit rose, une autre microfibre. Et puis je nettoie, je donne un coup sur mes étagères alors qu'ils n'étaient pas sales sales. Mais je préfère quand même donner un coup. Et puis voilà. Tout simplement. Et bientôt je vais à l'Action là, pour acheter tous les sambons pour que ça sent bon dans ma salle de bain. Et puis voilà, ça sera bien. Donc je remets tout en place. Par contre, les pots à Action là.
Bof, hein, parce que le couvercle, ben, comme en inox, ouais, il est tout taché, je sais pas, il est pas. C'est pas de la bonne qualité, quoi. Après, il n'y a personne qui le voit, c'est moi. Mais voilà. Donc de là, ensuite, je passe à mon chauffe, à donner un coup sur mon sèche-serviette, sur mon sèche-linge et ma machine à laver. Et d'un coup, il y a pris une crise à Nathalie, j'ai tout bougé. Voilà. Donc je vous laisse en musique, mes petits chauffes, et vous allez voir de vous-même. J'essayais de régler le pied de mon sèche-linge parce qu'il y a un pied qui était n'était pas réglé et il y avait les pieds de parce que ma machine et puis mon sèche-linge leurs pieds étaient posés sur les pieds de Temu donc là j'ai enlevé tous les pieds de mon sèche-linge. J'ai bien réglé le pied de mon sèche-linge, hop, elle bougeait plus. Et là, j'ai bougé ma machine parce que j'ai cherché mon doseur à lessive et il était tombé par terre. Du coup, comme il y avait un peu de poussière et tout, j'ai dit, bah allez. On va tout nettoyer comme ça, hop, c'est fait. Logiquement, je le fais 3 à 4 fois dans l'année. Ben là, il sera fait, ça sera fait plus que ça. Donc voilà. Donc j'ai sorti l'aspirateur. Là, je passe une microfibre sec. Pour les poussières, surtout une microfibre sèche. Hein. Faut pas l'humidifier, hein, sinon la poussière va rester collée un peu partout. Donc ça, il faut prendre du sec. Et de là, vous passez partout, partout, partout. Et comme ça, hop, vous serez tranquille. De là. Je passe l'aspirateur, donc bien sûr les plaintes, sur les coins, surtout bien sur les coins parce que c'est très important. Hein. Et puis après, ben, je mettais le manche de l'aspirateur sur l'aspirateur et puis j'aspirais. Par contre, je crois, non, j'ai pas lavé parce que c'était pas sale, j'ai juste aspiré là. Donc voilà. Et après, j'ai tout remis en place et puis c'était tout propre. Et de là, ben, après, j'aspirais toute ma salle de bain. En dessous du lavabo et tout, mais ça vous l'avez pas vu, puisque vous étiez posé sur le lavabo. Donc voilà, donc j'ai tout bien aspiré et tout, et après j'ai passé le balai vapeur, et c'était fin bon pour une bonne petite routine de salle de bain, mes petits chats. Donc j'espère que je vous ai motivé, même si vous n'avez pas de motivation, il faut que vous en avez. Moi, quand j'ai pas de motivation, justement, je mets des chaînes YouTube de motivation ménage et je me dis, allez hop, la musique, et allez, Nathalie, elle est partie. Donc, au pire, vous faites comme moi, vous mettez de la musique ou vous me regardez, surtout du début jusque la fin. Je veux que vous me faites péter les vues. Donc, si vous êtes arrivé à cet endroit-là, je veux que vous mettez en commentaire soit un raclo, soit une serpillière, soit un balai vapeur, mais un truc qui concerne le ménage en commentaire. Je vous. Donc, voilà. Donc, la salle de bain là, est en train de sécher. Après, je vais redonner un coup d'aspirateur. Je vais changer ma microfibre de mon balai vapeur et je vais nettoyer tout le sol de la douche. Parce que là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc là je peux pas passer parce que c'est en train de sécher. Donc toutes mes lavettes avec mes tapis, ils sont dans la machine. J'ai fait à 40, donc là je mets sur pause, pas que vous attendez. Et puis après, une fois que c'est sec et tout, ben, je vais tout ranger. Voilà. Donc c'était un petit, comment je vais vous dire ça? Ben, un petit ménage salle de bain. Il y a juste que j'ai enlevé, enfin j'ai bougé le sèche-linge et la machine pour nettoyer derrière parce que je cherchais justement le petit truc, vous savez, qu'ils mettent sur les bidons de lessive liquide, là, le doseur. Et je ne le trouvais pas. Et il était derrière ma machine à laver. Du coup, j'ai bougé. J'ai enlevé les pieds que j'avais acheté sur Temu, sur mon sèche-linge. Il est bien stable et tout, il ne bouge pas. Donc, je le laisse. Voilà. Par contre, monsieur m'a dit qu'il faut absolument, c'est parce qu'elle, quand elle sort, ça tremble en fait. Donc, eux, faut qu'on les règle. Mais j'ai dit, ça, c'est lui, on va le faire à deux, quoi. Moi, je tiens d'un côté, il fait, voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais couper là. Je vous souhaite une bonne journée, mes petits chats, parce que maintenant, je vais passer de l'autre côté. Donc, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, et je vous fais des gros, gros bisous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec qui? Avec Nathalie. Bye bye, plein de bisous.